Le prix de l'album autoproduit. Un peu d'histoire. Le 1er janvier 2004 fut décerné ce premier prix de l'album autoproduit en même temps que le premier prix du Salon du Livre du Net. Ce prix du Salon du Livre du Net, ce prix littéraire, le 1er janvier 2019, a connu sa 16e édition, son 16e lauréat, alors que ce prix de l'album autoproduit s'est arrêté au 1er janvier 2010. Cette édition, cette CD, cette lauréat, cette chanteur, chanteuse, groupe, qui ont eu l'occasion d'une mise en valeur indépendante, totalement indépendante. C'est peut-être ce qui a fait que dans le monde de la chanson, l'indépendance n'a pas pu résister. Les Blaireaux, c'était un groupe du Nord. On pourrait leur dire changer de nom, et comme on pourrait le dire à Moncuq, qui est devenu Moncuq en Quercy Blanc depuis, donc qui n'a pas vraiment changé de nom, les Blaireaux non plus, je crois. Le sens du poil, alors on va prendre le sens des aiguilles d'une montre, et non. Alors on verra la deuxième année, au 1er janvier donc 2005, Jérôme Attal, puis les belles lurettes, Pierrot, une touche d'optimisme, Cat de la Borne, et Osfub, qui est un groupe marseillais. Je ne sais pas exactement ce que deviennent ces artistes. Je ne sais pas ce que ce prix leur a véritablement apporté. J'ai parfois été déçu par les réponses. Et oui, parce que après un prix, il y a, comme pour le Salon du Livre, des questions au lauréat, quand c'est un groupe, au leader du groupe. Et parfois, oui, j'ai préféré échanger avec les écrivains, même si je ne partage pas toujours leur conviction, leur approche, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de réaliser un échange. C'est que la question ne soit pas une réponse banale en une phrase et demie avec quatre fautes d'orthographe. Bon, je ne donnerai pas de nom, mais voilà, ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai un peu abandonné. J'ai lâché. C'est dommage. Donc, un jour, voilà, j'ai voulu rendre un peu hommage à ces groupes qui ont participé, à tous ceux qui ont envoyé leur CD à Moncuq en Quercy Blanc, qui était devenu un lieu de la chanson française. Mais malheureusement, il n'y a eu aucun soutien municipal, il n'y a eu aucun soutien départemental, régional, il n'y a eu aucun soutien de la SACEM. Voilà. Donc, après cette édition, j'ai préféré abandonner. Et on me disait que 200 euros, ça représentait pas grand-chose pour des chanteurs. Et oui, mais dans ce monde où certains courent après l'argent, effectivement, 200 euros, c'était peut-être peu. Mais voilà, mais pour nous, ça voulait dire beaucoup. Voilà, je vous laisse regarder ces 7 albums. Peut-être suis-je le seul à avoir écouté ces 7 albums. Donc voilà, je ne vous mettrai pas d'extrait, sinon la SACEM, enfin YouTube, je sais pas, les gestionnaires, ceux qui réussissent à récupérer des droits sans savoir quels artistes à la fin les auront. Et oui, il va falloir que je parle aussi de ça. Voilà, donc je vous présente ces 7 CD en tournant. Ça tourne comme ça une montre? Ou ça tourne à l'envers? On ne sait plus à force. Vous savez encore dans quel sens ça tourne les aiguilles d'une montre? Allez, une touche d'optimisme. On nous en perçoit dès l'enfance. Le monde tourne grâce à la concurrence. Nous devons réaliser des performances. Nous devons suivre leur cadence. On nous abreuve de rengaine. Leur égalité républicaine. L'ascenseur social, l'éducation nationale, nationale. La réussite par le travail, on est des milliards, milliards. Autour du minuscule gâteau, on ne peut qu'apercevoir, qu'apercevoir. Ceux d'en haut, ceux d'en haut. Héritiers et récompensés. Petit gâteau, gâteau. Et grosse galère, galère. Ça en réalité. Héritage et récompensé. Petit gâteau, gâteau. Et grosse galère, galère. Les privilégiés gèrent notre terre derrière notre terre.